Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. On se retrouve sur FF7 Rebirth pour le 52e épisode. J'espère que vous êtes en pleine forme pour me suivre tout au long de ce let's play. Moi, toujours au taquet, toujours autant de plaisir à partager cela avec vous. Et on se retrouve toujours sur les quêtes annexes, hein, notamment l'envol de Chocobo, où on a le deuxième entraînement à effectuer avec Apony. Donc j'espère qu'on va s'en sortir, parce qu'on avait déjà, essayé un peu sur l'épisode précédent. C'était un petit peu coriace. Donc on va voir si on y arrive quand même à récupérer tous les anneaux. Donc pour m'encourager les amis, je compte sur vous, les petits j'aime et les commentaires. Et on s'installe confortablement et c'est parti pour ce let's play. On va essayer de cartonner tout ça. Allez, let's go. Donc le terrain d'entraînement est là. On va voir si ça passe. Donc on a différentes récompenses. On a médaille Mog, minerai de chrome et cosmolite enchanté. Et ben on va essayer de gagner tout ça. Alors on avait fait un petit score à voilà, 3200 et là il faudrait qu'on essaye d'atteindre quand même les 7200. Ce qui n'est pas rien. Donc on va voir si on y arrive. Après c'est quand même assez raide. Ça va être trop bien. Alors j'avais vu quelque chose qu'on n'avait pas fait aussi avant que je démarre. J'ai vu qu'on pouvait descendre, ça n'avait pas de souci, mais qu'on peut également remonter. En fait ils appellent ça, j'ai lu ça sur le côté dès que j'avais quitté l'épisode précédent, l'ascension. Donc effectivement on va essayer de coordonner tout ça. Vous voyez LR pour descendre, pour la descente, et ascension pour remonter. Ouah, je parle, je regarde trop à gauche. Donc là on va essayer de récupérer vraiment tous les cerceaux pour faire pour péter le record quoi. C'est le but, voilà, je veux vraiment vous montrer le jeu le plus proche des 100% avec tout ce qui est les épreuves, les mini-jeux, l'exploration, bien entendu l'histoire principale où on est en plein dedans. On va essayer de rattaquer dès qu'on aura terminé ces petites épreuves. Alors là on plonge et si je remonte normalement on est pas mal. Alors dès que je remonte en haut ça me bloque. Ok. Là je pense qu'on peut replonger. Oula, ça monte très haut, ça monte très haut. Oula. Ah d'accord, l'anneau il... Enfin le cerceau il monte, donc pas de soucis. Oula, le 300 il bouge. Bon, je l'ai quand même. Ouais. Ah, 500 points. Oula, il y en a en bas. Oh, faut descendre peut-être. Ah. Ah. On remonte. Ah. On remonte, on remonte. Ah là, il est où l'anneau? On est pas mal. On est pas mal. Non. Oh oui. Oh non, ça va être trop juste. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Du premier coup sur cet épisode, du moins ce qu'on l'avait fait avant, on n'avait pas réussi. Et ben les amis, c'est parfait, génial. 7200 points, et ben on a toutes les récompenses de cette épreuve et on a terminé les épreuves, ça fait plaisir. On s'est bien débrouillé. Je pense que la quête annexe va être validée. On aurait facilement pu faire beaucoup mieux. Apony ne t'obéira pas si tu la forces, tu sais. Tu dois te mettre d'accord avec elle avant un saut. Il faut que vous décidiez ensemble d'atteindre l'objectif. Ah ouais? Et tu voudrais pas me montrer l'exemple? En montant à Pony toi-même? Ah, c'est comme ça. J'en ai assez, je m'en vais. Oh, oups. C'était pas la bonne approche, on dirait. Oh. Oui, c'est bon, je sais. Désolée. Viens, on doit rattraper Shani. Allez, au parcours d'entraînement suivant. Ah, il y en a un troisième. Oh. Alors déjà, celui-ci, je trouvais un petit peu coriace. On avait galéré au début. Bon, là, je trouve qu'on se sort très bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? J'ose même pas imaginer. Alors, on va prendre un pony. On va aller voir ça. Oh lolo. J'espère que ce sera pas trop dur. Les épreuves, j'en ai fait quand même sur ce FF7 Rebirth. Mais celles-ci, elles sont quand même bien coriaces. J'espère que ça va aller. Oula, pas de... Ben non, Apony. Ouais, non, je vais dans la bonne direction. Je vais regarder la map quand même. Ouais, faut peut-être redescendre. Bah, apparemment, c'est orange. Orange de Chocobo, et effectivement. Faut aller dans cette direction. Et ben, on va aller voir ça. Allons-y. Pourquoi je peux plus avancer? Voilà. Apony voulait plus avancer.
poignet de laurier. Alors ça va être ici peut-être. Ah non, il reste 80 mètres. Ah, il y a peut-être une rampe en passant à l'intérieur peut-être. Je vais aller voir, attendez. Voilà, à pied. Ouais, ça m'a indiqué cette direction. Ok, alors. Hop là, attention vide. Attention vide. Faut pas tomber normalement. Bon, on sait jamais. Ah, elle est là. Ok. Peut-être des trucs là-haut, tiens. Je suis en train de penser à ça. Ah, peut-être, putain, pour acheter des accessoires, là, il y a peut-être des choses, ouais, à voir. Ouais, j'ai pu entendre Chadley aussi. Ok. Et du coup, la quête annexe n'est pas terminée. Bon, on va voir ça. On va regarder qu'est-ce qui nous est proposé. Mais pourquoi tu continues à me suivre? Laisse-moi tranquille, je peux plus te monter. Apony, je peux pas. Je suis désolée. Mais si, tu peux! Regarde-nous bien. Apony et moi, on va faire un parcours sans faute. Comme ça, t'auras la preuve que c'est le meilleur de tous les chocobos. Oui, à savoir, entre Apony et Sunny, ils ont eu un accident justement en faisant du parcours, comme on le fait. Et du coup, bah, elle n'ose plus monter Apony, quoi. Alors, il faut retenter, faut pas hésiter, faut pas avoir peur, hein, même si des fois, c'est un peu dur. Le meilleur d'affronter ses peurs quand on fait une chute, hein, bah, c'est vraiment d'y retourner pour casser cette peur. Allez, on va essayer de faire le parcours numéro 3 qui me fait un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on a en récompense? On a quand même deux médailles MOG pour l'élémentaire. En intermédiaire, un saphir. Et en avancée, oh, ça a l'air pas mal. Pendanteria protection pour 9600 points. Donc, ouais, ça serait bien de le gagner celui-là, ouais. Et ben, on va essayer de le gagner, ce qui peut être pas mal. On va regarder le parcours, comment il se présente. Bon, je pense pas que ce soit plus dur de ce qu'on a fait. On va voir ça. Ok, donc déjà j'ai deux anneaux qui... Ah ouais, ils partent carrément à l'opposé. Alors, à mon avis, il faut que je tape pile au milieu. Alors, sachant qu'on a un décompte. Voilà, oh, attendez, ouais, il y a un décompte. À mon avis, je vais le faire dès qu'ils repartent à l'extérieur, on va voir si ça passe. Peut-être maintenant. Je pense que je suis bon. Ah, je sais pas. Si, ouais. Ok, on est pas mal. Alors, il y a un 300 points en bas. J'ai vu sur la gauche là. Il y a 100 points près. Ouais, il est là. Ouh. Oh, je l'aurais pas. Si. Ouais, je l'ai pas eu. Ok. Alors, je vais chercher le 300 points quand même. Alors, du coup, on se fait un petit demi-tour. C'est pas grave. Faudra bien penser aux 300 points là sur le côté. Parce que ça a l'air chaud à choper. Alors, comment je me mets maintenant? Allez, encore bas. Peut-être maintenant, ça a l'air bon, là. Ah, je vais être trop bas. Ok, on va retenter. Sinon, je recommence, hein. Si je vois que ça passe pas, je recommence. Oh, oh, oh. Une petite descente un peu rapide. Ah là, je pense que je suis pas mal. Ok. Ok, ok. Alors après, j'ai vu un 100 points tout en haut. Bon, je pense qu'ils vont faire des montées et des descentes. Hein. Enfin, des descentes et des montées. Plus dans ce sens-là. Ah oui, effectivement, là, une sacrée descente. Bah, maintenant. 300, 300, 500. Oh, peut-être remonter maintenant. Ouh, c'était juste... Ouais. Ok. Donc ça, c'est bon. Là, il y a 500 points, on va aller le chercher. Ok, ventilo. Oh là, c'est quoi ce délire? Alors là. Oh. Ouais, je l'ai eu, mais... Oh, faut peut-être remonter maintenant. Ah, ah, je sais pas. Si ça passe. Voilà, ça passe. Alors j'ai vu un 100 points là, à gauche un 300. On va tourner tout de suite, pas comme tout à l'heure.
Oh, y'a un 500 là-haut. Ok. Non, je... 500, 300. J'ai un peu lâché R exprès parce que j'avais peur de pas l'avoir. Oh, faut descendre. Oh, voilà, c'est trop juste. Oh, c'est quoi ce délire? Et les 500 que j'avais repéré là-haut, mais je les aurais pas, à mon avis. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Il y a juste... Comment je vais choper ces 500 points? On va voir ça. Bon, déjà, je trouve que pour une première, on est bien. On est bien. Vous avez vu ça? Même moi, j'ai réussi. C'est uniquement grâce à Apony. Alors, elle est vraiment douée, non? Oui. Évidemment qu'elle est douée. Si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Le jour de l'accident, j'étais trop confiante. Et j'ai relâché mon attention. J'étais sûre de gagner. Pendant la course, je réfléchissais à ce que j'allais m'acheter grâce à l'argent de la victoire. À cause de ça, à l'entrée du dernier virage, j'étais plus en phase avec Apony. J'ai perdu l'équilibre. Et je suis tombée. Apony s'est mise devant moi pour me protéger. Et du coup, elle aussi a été blessée. J'ai trop peur de refaire la même erreur. Ça me paralyse. Non, je ne peux plus te monter. Tu comprends le chocobo, toi, Cloud? Traduis, s'il te plaît. Hein? C'était... un terrible accident. Toutefois... à mon avis, il y a des leçons à tirer de cet accident. Faisons en sorte de ne pas répéter la même erreur, aussi bien l'une que l'autre. Dépêche-toi d'aller mieux, Shani. J'aime courir avec toi. Tu vois? Apony. Ok, alors on a terminé la quête, voilà, dos de chocobo, impeccable. Ah, juste, à mon avis, on n'a pas réussi à avoir toutes les récompenses sur cet entraînement. Je vais regarder ça. Alors du coup, ce qui est bien pour cette quête annexe, et ce qui va nous aider aussi pour l'histoire, l'explo, c'est que elle nous prête à Pony et on va vraiment pouvoir explorer toute cette région qui s'offre à nous, hein. La région de Cosmo. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là-bas, c'est vrai que sur l'épisode précédent, on allait jusqu'à la quête principale. Après, on est passé par tout ce chemin. On avait atterri ici. Mais il y a eu pas mal de petites choses ici avec le ranch Chocobo. Bah, la quête annexe qu'on a enchaînée. Fallait qu'on récupère Apony juste ici, qu'on a fait. Et là, on va essayer quand même de péter le record. Hein, de voir tous les points, toutes les récompenses. Et après, on se reconcentre sur l'histoire principale. Allez, c'est parti, on y va. Hey, il nous manquait 1000 points, il reste en fait juste les deux anneaux que j'ai pas récupérés. Parce qu'il y avait 2 fois 500 points. Donc il nous manquait que ça. On va retenter. Parce qu'au niveau du parcours, je pense qu'on est pas mal. J'ai bien visualisé le parcours. Après, ce qui me fait peur, c'est comment je vais choper ces deux anneaux à la fin. C'est parti. Oh bah maintenant. J'ai vu que ça sortait, ça revient. Est-ce qu'on est pas trop tôt? De toute façon, faut aller tout droit. Ça, c'est bon. Alors attention, il y a 300 en bas là, faut bien bien choper. Faut pas hésiter à s'orienter direct. Hop là. Et à droite. Ouais. Ouais ouais ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors ça nous fait grimper. Bon là j'ai vu, ouais,
Prenez le 100 points en plongée. Maintenant, je pense, c'est bien. Ok. On remonte. Oh, je me suis fait un peu peur. Je crois que j'étais... J'étais trop juste. Alors, j'en monte pas trop. Parce que j'ai peur que si je suis trop élevé... J'arrive pas à choper les anneaux correctement. Là, c'était un peu chaud. Là, j'étais limite tout à l'heure. J'espère que ça va aller... Oh là là. Oh, maintenant. Ah. Ah, c'est un peu raide. Ah, t'as remonté maintenant. Ah, pas trop, il y a des... C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que ça bouge vraiment dans tous les sens. Ah, rien, le 300 points, là. Après, j'ai eu... À droite, il y avait un 500 points. Ouais, c'est ça. Oh là là. On est pas mal. Oh, attention, plongeon. Ah, faut remonter tout de suite. Alors, je passe direct comme ça. Ah, je suis pas droit. Oh lolo. Où est-ce que ça le fait? Eh, il manque pas grand chose. Une vraie pro. Il manque un petit peu. Il manque vraiment pas grand chose. Alors, je crois savoir comment faire. Je vais vraiment frôler le 300 sur la droite comme j'ai fait là. Là, on y va. Et direct à droite, mais sans trop m'orienter comme j'ai fait. C'est tout ce qui manque. Et je pense qu'on l'a. Allez, c'est parti. Allez, je me mets en mode Super Saiyan et on défonce tout. Allez, c'est parti, let's go. Hop là, on passe là. Le petit 300. Ok. Je suis chaud patate là. On va essayer d'avoir toutes ces récompenses. Allez, le 100 points. Oh, jusque là, ça c'est ancré, y a pas de problème. Là où je suis un peu moins à l'aise, c'est après les 300 points, les cercles. Oh. J'ai dû faire une fausse manip là. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Y a un truc que j'ai mal fait, je sais pas. Ouais, c'est les anneaux de 300 points qui montent et qui descendent, qui sont assez chauds. Qu'il faut pas se louper, je dirais. Ok, ça, rien de complexe. Ça passe. Je tournais un peu trop. Ça va le faire quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire pour pas que ça remonte? J'ai peut-être pas mis. J'ai pas fait l'ascension peut-être avec les LR en même temps, c'est possible. Allez, on descend. Ok, ça c'est bon. Et on remonte. Bon, relâcher là, c'est bon. Ouais, j'ai peut-être pas... Je sais pas. J'ai un truc à déconner. Bon, c'est pas grave. Là, on est pas mal, je pense. Oh, dur. Ouais, là, c'est juste. Oh, pas plus. Les ventilos. Oh, il me lève ou pas? Non, il me lève pas. Si, il me lève. Il me lève pas. Oh là là, je suis pas bien orienté du tout. Allez, le 500. Est-ce que ça va le faire? Alors, c'est là qu'il faut frôler le 300. Maintenant. On se met bien. Allez, s'il vous plaît. Il va manquer. Alors, j'ai pas réussi là. Est-ce que j'ai bien remonté suffisamment? Il manque vraiment ces deux anneaux, hein. Il manque pas grand-chose. Aïe. C'est parti. Attendez. Maintenant. Il manque vraiment que ces deux anneaux. Il manque vraiment pas grand-chose. Allez, on va essayer de les avoir.
Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment que ça passe bien? Pourtant j'étais bien orienté là, j'étais quand même pas mal. Là je sais pas, ouais. On va essayer de bien s'orienter, hein, de bien monter l'ascension, hein, à fond. Et partir direct sur la droite. Ah mince, faut que je fasse un plongeon. Je fais une descente et une ascension pour bien choper tout ça. On peut essayer. Ça pourrait peut-être marcher, ouais. Oh, à chaque fois, il y a un truc qui déconne, là. Il y a un truc qui déconne par ici. Pourquoi j'arrive pas à remonter correctement? Je pense qu'il faut un certain élan quand on descend pour pouvoir remonter facilement. Ok. Il faut que je pense à ça. Je crois, en fait, les fois où je l'ai fait, j'avais bien fait. Mais je pense que si on descend pas un minimum, on peut pas remonter. Allez, on va essayer d'avoir les deux derniers anneaux quand même. Il manque vraiment pas que cela, hein, que cela. J'en ai eu un tout à l'heure, j'ai pas eu l'autre. Et l'un était quand même bien un peu court pour les deux cerceaux là. Quand je dis anneaux, c'est des cerceaux. Allez, le petit 100 points. Hein. Ça c'est cadeau. Ouais, tant qu'on plonge bien, à mon avis, pour remonter, il n'y a aucun problème. Quitte à être même le plus haut possible. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Effectivement, si je prends une bonne descente, hein, j'aurai automatiquement une bonne remontée. Ah, là, c'est chaud. Ça va passer. Alors est-ce que c'est le moment de vérité? Est-ce qu'on va y arriver? Je vais tout faire pour. Enfin, je vous dis, la fin elle a l'air assez raide quand même. Ok. Oh, j'ai raté. Alors peut-être que si je prends le 300, je frôle et je redescends tout de suite. J'ai peut-être une chance. Dès que j'arrive sur le 300, on redescend direct. On peut essayer. Je vois que ça. Et c'est légèrement sur la droite, hein. C'est pas à droite à 90 degrés, mais plus à 70, 75 degrés. Sur la droite, on va essayer. Ah, comme quoi... j'en ai raté un là. On va recommencer direct. Comme quoi il est pas si simple ce dernier parcours. Entraînement numéro 3 est un peu dur. Allez, on y va. Allez, on tourne. Allez, numéro 100, c'est fait. Et on plonge. Je suis toujours dans la réflexion, comment je vais choper les deux derniers anneaux? Comment je vais bien pouvoir les attraper? Oh, pas plus. Bon, pas plus pour avoir les ventilateurs, là, les ventilos. Alors, j'ai l'impression d'être un peu haut, on va voir. Ah là 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 là. Et je l'ai eu. Toujours un peu peur de pas l'avoir le dernier. Oh 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 oh. Ça va. Toujours un peu en mode suspense là. Alors le 300. Ah, j'ai pas eu.
j'ai pas eu. C'est pas grave, on va y retourner. J'ai de la chance d'avoir les ventilateurs qui sont là. Voilà. Alors le 500, il est où? Il est là, le 500. On est pas mal. Oh, j'ai raté. Est-ce que j'aurai les ventilateurs là-bas? Ah ouais. Et voilà le travail. Alors comment je vais les avoir? C'est hallucinant quand même. Comment je vais avoir ces deux derniers anneaux et tout? J'ai l'impression qu'ils freinent un peu dès que j'arrive en haut aussi. Ça un peu galère. Un petit peu galère. On va essayer de les avoir quand même. Ah, faut tourner tout de suite. Hop là. Ok, impeccable. Oh, trop court. Ok, on va devoir recommencer. Faites comme si vous aviez rien vu. C'est ça, faites comme si vous n'avez rien vu. Je suis littéralement planté. Eh ben décidément, celui-ci, on va passer du temps, j'ai l'impression. Ce n'est pas si simple. Enfin, ce serait bien qu'on termine avant la fin de l'épisode. J'aimerais vous présenter, montrer comment on fait ce parcours. Mais c'est vraiment très raide sur la fin. Très très raide. Je vois pas comment je peux passer les deux derniers anneaux pour les avoir. J'en ai frôlé un tout à l'heure. C'est passé. Allez, cette fois c'est bon. On y va. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. On est bon au niveau des cerceaux. Il n'y a pas de souci. Ce qui va me faire peur, c'est toujours le dernier. Un peu délicat. Ah, c'est toujours un peu juste sur les 300. Hein. Allez, faut descendre maintenant. Oh lolo. Ah là c'est bon. Alors pour le 100, pour le 300, il n'y a pas de souci. Pour le 500, c'est ok. Allez, 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 allez. Allez, faut que ça passe. Reste en haut, là. Eh ben, il manque pas grand chose. Est-ce que quand je suis sur le 300, je mets les gâchettes L3, R3 à fond pour essayer de gagner le maximum de. Comment dire? D'altitude, même une fois l'anneau passé. Je vais essayer et je pense que ça passe. Allez, on réessaie. Et j'espère que cette fois c'est la bonne. Allez, concentré. Ouais, je suis sûr que si je mets les gâchettes à fond, ça passe. Je sais pas pourquoi. Attention comment je tourne. Hein. Ouais, on va essayer. Je pense que ça va aider. Si dès que j'ai passé le dernier cerceau à 300, que je mets L3, R3 à fond... je suis sûr que je peux avoir les deux derniers cerceaux à 500. On va essayer.
Allez, on y croit. Il faut y croire pour y arriver, les amis. Hop là. On va pas à fond, ça va nous surélever. Allez, j'espère que j'ai vu juste. Si j'ai vu juste, hein, normalement. On est OP. Allez, faut descendre. Ouh, j'ai cru que j'allais pas l'avoir l'anneau. Ok. Ok, 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 ok. Oh. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous le sentez, les amis? Est-ce que vous le sentez? À fond les manettes! À fond les manettes! On lâche rien! On lâche rien! On lâche rien! Ah! Bah, rien du tout, ouais! J'arrive pas à choper le dernier anneau! Ah! Ah! Au secours! J'arrive pas à choper ce dernier anneau, c'est pas possible! Alors comment je vais pouvoir faire pour vraiment l'avoir cette anneau? Est-ce qu'il faut que je fasse vraiment une descente et je remonte? Alors faut vraiment frôler au dernier moment, ça me paraît pile poil, hein. Pile poil, pile poil. Alors je vais essayer de faire une descente et une ascension juste après l'anneau 300. Dès que je tape dans l'anneau 300, une descente, une ascension. Parce que je vois pas d'autres moyens en fait, hein. Il manque pas grand chose, hein. C'est limite, limite agaçant, les amis. Limite agaçant, j'ai vraiment envie de réussir pour vous montrer que cet entraînement numéro 3 est possible. L'envol de Chocobo, entraînement numéro 3, ouais. On va essayer quand même d'y arriver. Allez, on descend. Boum! Boum! Hop là! Allez, 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 allez! Faut que ça pousse, faut que ça pousse, faut que ça pousse. Bon, jusque-là, pas de problème, hein. On maîtrise. Il y a vraiment les deux derniers anneaux. Hop là! Je suis vraiment embêté. On est bien là? Ouais, on est bien. On est bien, on est bien, on est dedans. Allez. Alors, sans là-haut. Ouais. Le cerceau à 100, le cerceau à 300. Ah, je suis peut-être un peu allé un petit peu trop fort pour récupérer cette anneau, les amis. Hop, 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 hop. Bon, on va essayer de faire la descente comme j'ai dit. J'espère que j'ai vu juste. Après, je sais plus, hein. Je vous avoue, je sais plus. On aura quand même fait un beau petit parcours. Ah, je l'ai pas eu. Mais est-ce que j'ai vu juste? Ah, mais non. J'ai trop court. J'ai trop, trop court. Bah là, je comprends pas, hein. Là, je sais plus. Oh lolo. Je sais plus. On retente. Encore une fois. C'est pas possible. Là, j'ai tout fait. Je fais bien la descente, je fais bien l'ascension. Je m'oriente au maximum. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, là. Je comprends pas. Je vais réessayer. Allez, on s'envole. À moins qu'il y ait un ventilo planqué quelque part. Bon, je pense pas, parce que c'est vraiment la continuité du parcours. Alors, même si je galère, je pense que je suis pas le seul à galérer, hein, pour récupérer tous ces cerceaux, hein. J'espère que la récompense en vaut. Ça vaut le coup, parce que, voyons, pour le temps qu'on passe. J'espère qu'il est bien le collier. Hein. Allez, on continue. On va essayer, je vais rien lâcher. Allez, là on descend. Oh. On remonte. On relâche. On remonte, on relâche. On fait que ça. Donc là on a les 100 points en cerceau. Pas de soucis. Allez, 500 là.
t'es à fond? Je comprends pas. C'est parti. Eh ben on réessaie, de toute façon on va arriver presque sur le format de l'épisode, hein, donc y a pas de raison qu'on n'y arrive pas quand même, voyons là. On va voir si c'est bugué. On va voir si c'est complètement bugué, je comprends pas, j'étais à fond. Je suis bien descendu, ouais. Quand même bizarre cette dernière épreuve, hein. Assez difficile, hein. Mais là j'ai tout fait, je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Ok. On descend encore. On remonte. Voilà, j'ai relâché un peu et dès qu'on relâche un peu, c'est mort. En fait, faut toujours les gâchettes à fond. Hein. L3R3, toujours à fond. Ne pas hésiter. Ça va être trop bien. Et pour la fin, ouais, je suis un peu sceptique quand même. Je vois pas trop comment je pourrais avoir ces deux anneaux. Mis à part frôler sur le côté du 3, du cerceau à 300 points, pardon. Là je sèche un peu, je vous avoue, hein. Du coup là ouais, je suis en pleine réflexion comment on peut avoir ces deux derniers anneaux. En plein suspense, les amis. Là, je vous avoue, je suis en train de te... Oh! Alors, ça passe. Ça a l'air pas trop... Oh là là. Je me suis fait peur. Bon, est-ce qu'il faut que je m'amuse à faire une sorte de descente, montée, descente, mais en continu? Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce qui pourrait être le mieux? Là, je descends, je remonte, je descends direct. C'est-à-dire là, je descends. Je remonte. Mais sans lâcher la pression. Et là, je descends. Eh, il y a eu un bug, là. Il y a eu un bug à la fin, là. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah, il y a eu littéralement un petit bug, là. Ça va être trop bien. Oh, attendez, je comprends pas. Waouh, cette épreuve elle est horrible en fait, elle devient horrible. Alors attendez. Alors du coup j'ai la fonction de détection des mouvements qui s'est ajoutée. Est-ce que ça va m'aider? On va voir ça. On va voir si ça aide vraiment. Peut-être quand ça s'est activé, vous me direz. Allez, on descend. Alors, peut-être avec les mouvements, ça aide, hein, vous me direz. On va voir ça. Hop, attention. Pas plus, hein. Allez, j'espère que ça va être bon cette fois. Ouais. Ok. Ah, faut tourner. Allez, dites-moi que c'est bon cette fois. J'aimerais quand même terminer cette épreuve parce que je pense que je fais quand même les choses bien. Sérieusement. Allez, faut que ça passe. Il n'y a pas de raison que ça passe pas.
je ne comprends pas comment je peux avoir ce dernier anneau. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je sais pas. Je fais tout. J'ai tout fait. Y a rien d'autre derrière, non? C'est même si je fais un demi-tour, je reprends les cerceaux, je suis trop juste. Je réfléchis. C'est même si je remonte sur l'anneau à 300 là, qui est sur le côté, et en passant à droite, je sais pas si je peux récupérer les deux ventilos. Éventuellement, je peux essayer. Ça va être trop bien. Je vois que ça. On va essayer. Et si ça passe, vous ferez la même chose, les amis. On va pas hésiter à faire pareil. Alors, détection, fonction détection de mouvement, tout ça, ça change pas vraiment. Hein. Moi, je vois, c'est un petit demi-tour. Ouais. Dès que j'ai le cerceau à 300, je sais pas. J'essaye de rechoper les ventilos là pour me surélever et repartir sur les anneaux à 500, les derniers. On peut essayer. J'ai peur d'être trop court. On va tenter. On va tenter, on va voir. Là, j'ai quand même épuisé un peu toutes mes cartes, je dirais. Ça, pas de problème, on est surélevé. Il y en a un autre après. Ah non, mais je vois l'anneau à 300, comment il est situé. Pour atteindre les anneaux, ça me paraît hyper compliqué. Ça me paraît hyper compliqué. Ce l'anneau à 300 qui est tout là-bas, hein, ça me paraît juste hein, pour avoir tous les points. C'est même, admettons, je fais demi-tour là. Ça donne quoi comme distance? Là, on les a, ouais. J'essaye d'analyser un peu la chose. Là, pour se rebousser, il n'y a pas de problème. C'est même là, si je m'oriente bien, je fais un beau petit plongeon. Ah, j'ai anneau à 300, ouais. C'est même pour revenir après, ça me paraît juste. Hein. Le dernier anneau à 300, même pour revenir jusque là, à mon avis, on est cuit. Hein. Non, il n'y a vraiment pas le choix de plonger à la fin. De plonger vraiment à la fin pour avoir ces anneaux. Hein. C'est là, je remonte sur le 500, ouais. Je réfléchis. Le 500, on remonte. Il y a l'anneau à 300 qui est juste au-dessus après, ouais. Paraît compliqué quand même. Bon, faut vraiment frôler comme j'ai fait dans les débuts. Je frôle l'anneau à 300. Et on est bon. Allez, on essaie. Cela jusque là, il n'y a pas de problème. Hein, le début de l'épreuve, on le maîtrise. Hein. Ce n'est plus un souci. Mais vraiment, les deux derniers anneaux, je sais pas comment les atteindre. Hein. Une fois que j'ai récupéré tous les précédents. Là, je vous avoue, c'est chaud, chaud, caca. Allez, je plonge. Là, je pense qu'on va être sur les dernières tentatives. Hein, parce qu'on va pas non plus passer notre vie sur cet entraînement numéro 3. Jusque là, il n'y a aucun problème. On maîtrise bien, il n'y a pas de souci. Je suis même à l'aise, je dirais. C'est vraiment sur le dernier. Je sais pas comment le passer, le dernier. C'est impressionnant. Là, on peut plonger. Même ça, je suis devenu hyper à l'aise sur des anneaux à 300. Mon parcours, on l'a. Mon parcours est maîtrisé. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait.
Alors, ça, ok. Cerceau de rassant, ok. Je m'écarte un peu pour bien reprendre au milieu les 500. Ouais, je suis vraiment obligé de plonger là. Et même là, en étant à fond, ça passe pas. Ouais, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre, cet envol de Chocobo numéro 3. Alors, on va fermer. On va fermer, je vais essayer de regarder... un peu plus tard, comment on peut résoudre cette épreuve numéro 3. Le parcours, je le maîtrise. Je le maîtrise, tac, 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 on zigzag, on plonge, tac, nickel. Mais sur la fin, je ne vois pas comment je peux atteindre ce dernier anneau. Oh là là, ça m'agace. Ça m'agace, après, c'est pas grave. On va essayer, je vais réfléchir de mon côté, je vais regarder si je peux trouver une solution pour réussir ces deux anneaux. Pourquoi ? Je veux vous montrer le jeu à 100%, les amis. Je veux pas lâcher l'affaire. Je vous l'ai dit au début des épisodes que j'ai tourné. Je me suis engagé, je veux vous présenter vraiment le jeu à 100%. Donc si je peux réussir cette petite épreuve, qui a l'air pas sorcier, hein, parce qu'en soi maintenant je le maîtrise, hein, vraiment les deux derniers cerceaux que je n'arrive pas à atteindre. Donc bah, je vais regarder un peu si je peux trouver quelque chose de mon côté pour pouvoir vous présenter cela. Mais en tout cas, ouais, on a une petite épine dans le pied là les amis pour réussir cette dernière épreuve. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a quand même réussi à terminer la quête annexe. L'épreuve numéro 2 qui s'est très bien passée, pas de soucis. Mais l'épreuve numéro 3, on essaiera de voir si on peut terminer ça pour le prochain épisode sans que ça nous prenne non plus. Ça, on tape pas tout l'épisode. En tout cas, bah, je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos et puis la petite revanche hein, sur cette épreuve numéro 3. On va y arriver. Allez, salut tout le monde!